Je fais des choses de verdissement à des écoles élémentaires avec les enfants et aussi l'amélioration de la terre. Les jardins comme ça, pour les pollinisateurs, on fait des habitats, alors ça fait beaucoup de choses pour toutes les abeilles qui ont besoin pour la nourriture en général. Et j'aime toujours apprendre des enfants de les choses de verdissement, les plantes naturelles. Regarde! Alors, on peut voir ici, ça c'est un aster. Ça c'est une belle plante indigène et les fleurs sont importantes en automne pour les abeilles et les papillons, spécialement les papillons qui veulent aller très loin et a besoin de la nourriture. Alors, j'aimerais toutes les écoles, à plus des choses comme ça, plus naturelles. On peut apprendre beaucoup juste si on reste et observe les choses comme ça. On peut voir beaucoup des insectes, beaucoup des pollinisateurs. Je pense que les bénéfices sont, comment je dis ça, immeasurables. Oui, c'est plein pour les enfants, pour les écoles, pour la terre, pour la vie. Aussi la connexion avec la nature. Si les enfants jouaient toujours sur l'asphalte, c'est rien de naturel avec ça. Oui, c'est dur, c'est plate, c'est vide, c'est rien. Je pense que c'est important que les enfants apprennent les systèmes naturels. On peut être dans les jardins, on peut voir les autres choses connectés. Et je pense que ça, c'est bon pour la santé et aussi pour les autres choses que les enfants apprennent. Si les enfants peuvent venir dans un jardin comme ça chaque journée, je pense que c'est plus facile d'apprendre les autres choses là. Si on peut voir les aires naturelles comme ça, toute la vie, on peut respirer un peu plus. L'air est moins sale, oui? Et moins de chaleur, on est plus confortable. Et si on fait les habitats comme ça, spécifiquement pour les pollinisateurs, c'est sûr qu'on peut toujours manger parce qu'on a besoin des pollinisateurs pour la nourriture, pour les fruits, pour les légumes, des choses comme ça. L'école a déjà en collaboration avec Sauverdi et ils ont mis beaucoup des arbres, des fruitiers, des arbustes, partout. Avec ça, moi, je mets des choses de jardinage, les choses pour les pollinisateurs et aussi pour les enfants qui poussent des légumes. Je pense que c'est plus simple que les gens pensaient. On peut commencer avec les choses très simples, un arbre, une grande roche, des fleurs, des choses que les enfants peuvent toucher et voir naturelles, pas juste l'asphalte. On peut faire les grands projets, ça c'est beau, ça c'est tellement important, mais les petits projets sont aussi importants. Je pense que les collaborations sont tellement importantes. Parce que maintenant, on a beaucoup des organisations, des commissions scolaires, les gens qui font les choses individuelles. Mais on est tous ici ensemble. Et je pense que quand on peut venir ensemble, on peut faire les choses plus faciles. Parce qu'on peut partager le knowledge, oui, on peut partager les ressources. Si toutes les organisations peuvent venir ensemble comme ça, on peut faire le verdissement partout dans la ville, juste comme ça. Je pense que le grand défi peut-être, et c'est pas assez d'air ou d'énergie à faire toutes les choses qu'on veut à la même fois. Ma rêve est que
on peut faire des grandes choses de verdissement en chaque école. Chaque cours des enfants a des arbres, a des roches, a des choses naturelles. Je pense qu'on peut le faire, spécialement avec les organisations comme vous et les autres, ensemble, comme on a dit, avec les collaborations. Ah, j'ai un grand rêve qu'on peut venir ensemble et oui, ça c'est mon rêve. On va changer le monde, une école à la fois, comme ça.